La base Naturo sur le bassin d'eau vive d'Épinal qui sera le cadre ce week-end après les championnats de France UNSS de canoë kayak, de la finale de la Coupe de France de N2. On va voir l'entraîneur de ce club du GESN, Marc Biasdiso. Bonjour Marc. Bonjour. Comment on va? Très bien. Bon week-end qui se présente, donc on a encore de la chance avec le temps, donc ça va. On enchaîne les compétitions en ce début de saison sur ce bassin, ça fait plaisir. Ah oui, c'est toujours bien. Bah là, on a une grosse semaine avec les France UNSS qui ont eu lieu là en début de semaine. Et là, ça enchaîne sur la N2. Donc, en termes d'orga, c'est assez... ça envoie, quoi. Mais c'est bien, c'est une belle semaine. Et je pense que ça met en avant aussi la structure et tout. En plus, on a les lycéens, les collégiens. Là, je reviens vraiment sur les NSS qui ont gagné respectivement dans leur catégorie. Donc voilà, ça fait briller aussi la ville d'Épinal. Et puis, encore une fois, ça met en avant la structure. Donc c'est quelque chose qui est plutôt cool. Vous qui venez d'arriver là, où est-ce qu'on en est par rapport au club? Si on compare le club par rapport à il y a 20, 30 ans, ou même il y a quelques années, quand on avait encore Klaus Pech qui représentait le club aux Jeux Olympiques, on n'en est plus là, évidemment. Après, quand même, on a un bon groupe. Il y a du potentiel. Il y en a qui peuvent faire quelque chose. C'est difficile de le dire maintenant. Il faut voir aussi comment ça va évoluer sur les prochaines années. Il faut qu'on se focalise aussi beaucoup sur les tout jeunes, mine de rien, parce que les générations succèdent et ça vient vite. Donc on a un gros travail à faire aussi sur les plus jeunes qui sont aussi plus difficiles à motiver aujourd'hui. Mais je pense qu'en parlant avec des collègues d'autres clubs aussi, d'autres sports, c'est un constat général. Donc on a un gros travail à faire là-dessus. Besoin de locomotive, comme toujours quand même. Exactement. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, on va dire. On a perdu Klaus Pech. On a aussi, je ne dis pas, c'est pas définitif, mais on a un petit peu perdu mon frère avec les choix fédéraux qui ont été faits sur les dernières années. Et ça manque de quelqu'un qui reprend un peu le relais là et qui va tirer un petit peu tout le monde, la locomotive comme vous avez dit. Ouais. Sur un N2 comme celui-là ce week-end, pour vous qui êtes surtout quand même sur la N1, ouais. Vous essayez de repérer un petit peu ce qui se passe? Bah moi j'essaye de regarder ceux qui jouent leur montée N1 en fait pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Après on regarde tout, hein. C'est pas parce que je suis référent N1 que je regarde pas les résultats de la N2 aussi. Mais oui, globalement j'essaye de me focaliser un peu plus sur ceux qui jouent leur montée N1 là, sur ce week-end. Comme c'est la finale, il y a beaucoup à jouer pour certains. Donc voilà. Ouais. Merci beaucoup Marc. On va se tourner vers Arthur Grandemange, le coordinateur général du club. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors on va reposer les choses. Il y aura 350 bateaux à peu près ce week-end. On attend 350 inscrits, oui, sur le week-end. Et avec 22 bateaux rouges, comme on les voit à côté de nous là. C'est ça, on a 22 représentants du GSN sur l'ensemble du week-end. Qu'est-ce que ça vaut comme niveau pour les gens qui ne suivent pas forcément N2, N1, il y a un fossé? C'est vraiment varié. On va avoir des petits jeunes qui commencent à monter et qui veulent choper une place en N1, comme on a des anciens N1 comme Corentin Monas qui vient de descendre et qui est déjà en train de reprendre sa place en N1. Donc c'est vraiment très large. On a Gabriel de Coster aussi qui est N2 là. Donc c'est vraiment très large. Et les autres clubs sont tous venus là? On a vraiment toute la France qui vient? Oui, nous on attendait 300 inscrits max. On a été à 350. Même la joueur arbitre aujourd'hui est surprise de l'engouement pour la course. Le but va être de mettre le plus de bateaux sur les phases finales de dimanche matin. Et après, tout se jouera sur les phases finales. À savoir que la finale compte double, hein. On est sur une finale de Coupe de France, donc ce week-end, les points qui vont être pris comptent double. Par rapport à ce qu'on disait avec Marc, là, c'est aussi là, dans ce creuset-là de N2, qu'il faut peut-être aller chercher le futur bon bateau du GESN. C'est ça, je prends un exemple, on a Lily Ulmer, qui est une très jeune, elle est cadette, qui est une très jeune canoë dame. En fait, là, c'est la surprise de cette année, elle va peut-être jouer sa montée N1. Donc on est sur des très jeunes aussi qui explosent et qui peuvent performer ce week-end. Plus généralement, vous occupez de cette base-là ou également pour le grand public. Comment se passe le début de saison? On a un début de saison compliqué avec la météo, mais on a déjà beaucoup de prises de demandes sur les groupes, etc. Ça répond présent, on a déjà fait quelques gros groupes. Et là, le temps change. On voit, on a eu un gros week-end avec les jours fériés, il a fait beau. Tout de suite, les créneaux se sont remplis, donc on est confiant pour l'année à venir. Alors, année olympique, évidemment, Arthur, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on verra des athlètes qui seront à Version Marne venir s'entraîner ici à un moment ou un autre? Alors, on a quelques touches. Aujourd'hui, on a 4 délégations étrangères qui souhaitent venir juste avant les Jeux Olympiques, car le bassin olympique ferme pendant une semaine. D'accord. Donc il y a déjà plusieurs nations qui sont en train de se tourner vers nous. Je peux vous donner 2-3 noms, c'est officieux pour l'instant, mais on a l'Australie, le Japon, Taipei qui sont en train de se tourner, à se positionner pour venir ici. En fait, ils se rendent compte qu'on est à 3 heures de Paris, hein, par l'autoroute, et du coup, ça commence à se savoir. Donc on est en train de jouer notre carte là pour les préparations olympiques. Surtout pas oublier Abel Haber qui est qualifié, on peut le dire. C'était pas encore officiel, c'est sûr maintenant? Non, là ça y est, ça devient vraiment officiel. Donc il représentera la ville d'Épinal et le GESN aux Jeux Paralympiques. Et on va tous être derrière lui pour pouvoir
le pousser jusqu'au bout. Sur le débit, là, on est au max ? On est au maximum, 12 mètres cubes. On a vraiment une configuration de haut niveau. Et le tracé pour une finale N2 va être aussi un tracé de haut niveau. Une première journée de qualification ce samedi à partir de 8h30 jusqu'à 18h. Les finales, elles, auront lieu dimanche de 8h30 à 13h. A priori, toujours sous le soleil. Dans le reste de l'actualité sportive, nouvel opus du Tour de la Mirabelle, la plus prestigieuse des courses cyclistes de Lorraine, de classe UCI 2.2, avec cette année 11 équipes continentales, 2 formations pro de cyclocross, 4 élites N1 et le team vosgien Inside qui évolue en National 2. Après un prologue à Verdun jeudi et une première étape vendredi en Meurthe-et-Moselle, les coureurs partiront ce samedi de Thaon-les-Vosges, départ fictif à 12h18 devant la Rotonde pour une étape de 171 km en direction de Villers-les-Nancy qui empruntera les routes de la plaine des Vosges vers Darnay. Et Mirecourt. Également au programme, la 3e édition du triathlon des Hauts-de-Vosges autour de la base de loisirs de Saulxures-sur-Moselotte sur 2 jours. Samedi matin, place au plus long format, LMS, avec départ commun à 9h pour les quelques 400 inscrits. Épreuve enfant à 15h30, tri-série sur un format éliminatoire à 17h30 et tri-nocturne à 21h15. Dimanche, épreuve D3 masculine à 9h, féminine à 11h et XS en milieu de journée. 750 triathlètes sont attendus sur le week-end. Enfin, toujours au rayon Sport Nature, direction ce samedi soir Ville-sur-Yon pour la Vilaine et ses courses en semi-nocturne. Coup d'envoi du grand format de 18 km à parcourir en solo ou en relais à 20h30 et du 10 km à 21h. Une marche et des courses enfants sont également proposées l'après-midi. Départ respectivement à 16h et de 18h30 à 19h. Coucou.